Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable aux Fénois. Afin de faire notre part pour limiter la propagation du Covid-19 aux Fénois, toute notre équipe est en confinement strict et notre émission passe en toute image. Respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois, restez à la maison et faites attention à vous. Écoutez ce son. Étrange, non? Ce soir, nous vous racontons l'histoire de ce son. Et dans notre contexte de lutte contre la propagation du Covid-19, nous parlerons également de la solidarité qui s'organise au Fénois. C'est tout de suite, juste après le générique. Placé en confinement depuis le samedi 21 mars dernier, le Fénois apprend depuis à vivre contraint pour limiter autant que possible la propagation du Covid-19. Pas facile de rester à la maison lorsque dehors le soleil brille et que les plages semblent vous appeler d'une douce voix. Même la houle s'y est mise et les surfeurs ont dû réfréner leur passion de la glisse pour respecter le confinement. Mais pourquoi tout cela? Tout simplement pour sauver des vies. Celles des plus fragiles, des plus vulnérables, la vie de ceux que l'on aime. Regardez l'évolution de la pandémie dans le monde. La propagation du virus est exponentielle. Cette maladie que l'on ne connaît pas encore, pour laquelle il n'existe pas encore de traitement, se diffuse tellement rapidement que notre système de santé ne supporterait pas l'afflux de nombreux malades sur une courte période. Même si la chance de notre Fénois est d'être réparti sur de nombreuses îles, l'arrêt des déplacements de populations limitant la propagation du virus est également sa faiblesse. Il est donc très important de respecter les consignes données par les autorités sanitaires du Fénois. Avez-vous reconnu ce son? Cette vidéo réalisée en 2019 par l'apnéiste français Guillaume Néry, en partenariat avec l'association Sea Shepherd France, est intitulée Sound of Sea. Ce son de la mer est en fait un SOS, créé de toutes pièces par l'addition de plusieurs complaintes sonores du monde du vivant. Des dauphins, des baleines, des thons et toutes les autres espèces de poissons victimes de la surexploitation humaine. L'association rappelle en effet que si rien n'est fait pour limiter la surpêche, les populations de poissons s'effondreront d'ici 2048. Et l'ONU estime déjà que les 17 principaux lieux de pêche dans le monde sont désormais exploités au-delà de leurs limites durables. Il est vraiment temps d'entendre le SOS de la nature. Ils sont entrepreneurs ou simples particuliers et ils ont décidé de s'engager pour le Fénois. Après son appel à mobilisation pour créer des visières de protection gratuites à fournir à tous ceux qui sont en première ligne, Ray Tiny Ray, entrepreneur bien connu du Fénois, s'est lancé dans un projet fou de solidarité active pour notre bien à tous. Rejoints par d'autres entrepreneurs polynésiens, tous ensemble, ils ont créé le collectif Ensemble on va plus loin. Un regroupement de compétences pour pouvoir fournir du matériel de protection à tous ceux qui en ont le plus besoin durant cette crise sanitaire. Un site internet a été créé très rapidement, il permet désormais de centraliser toutes les demandes de visières de protection fournies par le collectif. Rappel important, les visières produites par le collectif Ensemble on va plus loin sont distribuées gratuitement aux personnes en première ligne face à la propagation du virus. Les moutes-oeil et les policiers qui assurent notre sécurité en ces temps de crise. N'oublions pas les agents de caisse et plus généralement tous ceux qui reçoivent du public. Les personnels de santé, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, etc. Ces personnes sont essentielles pour soigner nos malades et tous ceux qui en ont besoin.
Contacté par notre équipe, Reti Nirei nous a indiqué vouloir poursuivre son action pour aider notre Finnois à traverser cette crise sanitaire. Pour cela, les membres du collectif ont besoin de votre aide, de matières premières, tout d'abord pour réaliser des visières, et d'un soutien financier si cela est possible, pour leur permettre de poursuivre leur action pour notre Finnois. Et comme ils le disent si bien, ensemble, on va plus loin. Et il existe de nombreuses autres actions menées aux Finnois pour nous permettre de mieux traverser le confinement. Prenons l'exemple des Market Drive organisés par la Chambre d'Agriculture et la Pêche Lagunaire. Ce dispositif spécial permet d'approvisionner la population en produits frais locaux. Autre exemple, l'appel aux dons de la Fondation Anavaï. La Fondation Anavaï fait appel à tous ceux que le Finnois a accompagnés dans leur réussite. À tous ceux qui ont les moyens, il est possible de faire un don au profit d'associations comme l'Ordre de Malte Tahiti, l'accueil Terreil Été du Père Christophe et le Secours Catholique. Les dons permettront également de financer des bons alimentaires et des produits d'hygiène pour les femmes et les familles dans les quartiers suivis par les services sociaux des communes. Ces dernières semaines, nous vous avons présenté, avec la collaboration de la CCSM et ses partenaires, la Direction de l'Environnement, l'ADEME en Polynésie française, le collectif Nana Sac Plastique et le syndicat Fenouama, des entreprises polynésiennes proposant des alternatives au plastique à usage unique. Et même dans cette période de confinement, pensez au zéro déchet quand cela est possible. Par ailleurs, malgré les difficultés actuelles, les communes essayent de maintenir un service minimum de ramassage des déchets. Soyons responsables et gardons nos déchets à la maison jusqu'au jour du ramassage effectif. Et dernier petit rappel, vos gants et masques usagés se mettent dans un sachet et se jettent dans une poubelle fermée. Pensez à la sécurité des agents communaux qui ramassent vos déchets. Canettes aluminium, boîtes de conserve rincées, papier, journaux, carton, tout se met dans le bac vert. Pour terminer notre JTVR, nous vous proposons de partir pour le Turkménistan découvrir la porte de l'enfer. Située au milieu du désert du Karakoum, la porte de l'enfer est un incendie de gaz naturel qui dure depuis près de 50 ans. Découvert par des scientifiques soviétiques en 1971, le site est parmi les réserves de gaz les plus grandes du monde. Chargés d'évaluer la quantité de gaz dans le sol, les scientifiques de l'époque installent une plateforme de forage ainsi qu'un camp à proximité. Mais le sol se déroba sous les installations, faisant disparaître la plateforme et le camp, et laissant apparaître un large cratère à la place. Il n'y eut aucune victime déclarée de l'accident. À cause de cet incident, de grandes quantités de méthane furent libérées, créant un problème environnemental et surtout un danger pour les habitants des villages voisins. Craignant la libération du gaz toxique de la caverne, les scientifiques décidèrent d'y mettre le feu. À l'époque, on s'attendait à ce que la totalité du gaz brûle en quelques semaines, mais la combustion se poursuit depuis bientôt 50 ans. Voilà les amis, le JTVR tout en images est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur les replays de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JTVR. Faites attention à vous, restez à la maison. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Des robots pour remplacer les abeilles. Dimanche prochain, vous verrez comment la technologie tente de régler les problèmes qui se posent désormais à nous. Newbies, ces nouvelles abeilles haute technologie chargées de nous sauver. Et nous parlerons de la journée de la Terre qui fête ses 50 ans cette année. C'est prochainement dans les JT Verts.